Est-ce que je joue encore le mode arc-en-ciel? Je pense, là, j'ai une opportunité de jouer ce stuff. Ok, ok, ok. Juste, j'ai un co-culte ou pas, là? Ouais, co-culte, ok, il y a moyen. Alors, merci, Tom America, merci beaucoup pour le prime. Je vais manger, bon app, gris. Je me suis fait un reroll et caflip. Ouais, ouais, je sais bien ça, mais... Très gros problème, gris, très très gros problème. Oh, oh le chat, ça va être un truc de fou. Je pense pouvoir gagner, et ça, c'est assez rare avec cet arc. Ça va être génial. Alors, j'arrive ici. Ok, j'ai pas l'afflux, non. Donc, je joue haut. Je me planque. Il est quel élément, lui? Il est pas air, what the fuck? What? Gradur. Gradur, c'est pas un compositeur allemand? Il me semble que c'est un compositeur allemand qui a été assez célèbre à l'époque de la Renaissance, Gradur. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Attendez, c'est où la ligne de vue? Elle est où? Tac, tac. Tac, tac. Ah, elle est là. Pardon. Ok, très bien. Ouais. Est-ce que je peux clean ça? Même pas. Pourtant, j'ai mis deux coups de cac, hein. Salut Zonia. C'est pas un astronaute russe. Ah, Gradur, l'astronaute russe. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Autrichien, Gradur. Écrivain tchèque. J'étais sûr que c'était un compositeur allemand. Qui a pris d'ailleurs de son enseignement sur Beethoven, mais je dois confondre avec un autre artiste. Donc là, le chat, je vais ici, je fais condensation, et là j'ai un tour double nerveux. Sauf que vous allez me dire, mais use. Il te reste 2 PA, qu'est-ce que tu fais pour 2 PA? Aversion, ça fait pas de dégâts, projection, tu peux pas atteindre. Et là, le chat, arc-en-ciel. Cet arc a complètement changé ma perspective de l'e-sport Dofus. Et je me dis, dorénavant, peut-être qu'il faudrait accepter les corps à corps de toute tranche de niveau sur le serveur tournoi. Il y a plein de corps à corps qui ont leur intérêt. Arcane, arc-en-ciel. Cascargo, Amrotiline, Baguette Dragueuf, on a en face de nous une nouvelle méta qui se dessine. Je pensais que c'est une marque d'amincissement au Gradur. Bon, là le mec gagne parce que bon, son perso est complètement cheat, je pense que vous l'avez vu. Poulache, la poulache. Bah non, je pensais que j'allais gagner. Je déteste maintenant les cras, sans rire. Hein. Je les hais, c'est bon. Toujours la même rengaine. J'ai plus envie de les jouer, c'est trop chiant. Pritek, d'origami, cuff cuff, la vie est dure. Ils m'ont dégoûté, nos fakes. Salut Elise. Alors le match a lieu à 20h42, donc ouais, on sera dessus. Enfin, il se lancera avant, mais... Promis, il se lancera avant. Perso, use, je joue Crafeu sans Pritek ni d'origami, il est gravien. Ouais, bah pareil, mon Crafeu, il fait le taf. J'ai juste pas encore trouvé le temps de monter ma cote avec mon Cra. Parce que là, si je m'inscris en Cra, j'ai que des Cra Pritek Dory en face, et...
je ronfle, quoi. Donc, ils jouent tous... Enfin, ils jouent tous terre, c'est... Je vais pas dire des bottes, hein, mais on n'est pas loin, quand même. Az, le zone cutter. Franchement, j'y arrive pas. Si je joue un mode canon de verre contre un cra qui me casse les couilles à ce point, non, je peux pas. Je peux pas facilement monter ma cote. Il y a un niveau archiproc ou quoi? Je monte à 2000, plus de prix tech. Uz, c'est quoi ton stuff sacré Musa? Et non, la réponse se trouve sur usenet.fr, la référence du game online. Ouais, voilà. En plus, j'allais te dire mot pour mot, vraiment, va sur usenet.fr. Voilà, et là, je crève parce que j'ai une emploi, non? Bon, je peux tenter de le kill, faut juste pas oublier qu'il y a un ivoire, se lâche. Ou alors je joue safe. En vrai, je peux jouer safe. Vous avez raison. Putain, j'ai fait zéro crit, sérieux. Pff. Si, un crit en vrai, sur l'abso, c'est cool. Mais non, je peux pas le tuer. Nebuba, il y a quand même des raids, plus un ivoire qui proc deux fois. Plus sa flèche destrue, ce gros forceur là. ok. Bon, là je peux peut-être tenter, en vrai. Ivoire dans 3 attaques. Donc cac cac. Ouais, c'est bon. C'est chiant parce que je dois me concentrer pour... En fait, c'est comme si tu dois théoricrafter le fait de tuer une mouche qui est en face de toi sur une vitre. Alors, tu sais pas, est-ce que tu passes ta main au-dessus, comme ça, t'anticipes le fait qu'elle fait un petit aller-retour sur elle-même au moment de voler? Est-ce que tu prends un cahier qui est à côté de toi au risque de prendre le cahier et de la faire fuir au moment où tu saisis le cahier? Est-ce que tu vas chercher une tapette à mouche? Le problème, c'est que tu vas peut-être mettre 15 minutes à la retrouver et elle aura le temps de se barrer. Donc, voilà, il faut juste réfléchir comment je tue cette connasse de mouche. Ouais, Feka, je suis obligé de les taper là parce que... Je suis obligé. Parce que j'ai trop peu de cotes là. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, hein. Alors lui, ça peut être un one-shot, mais vu ses raises, il devrait jouer à distance. Ouais. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ah, ok, bah ça va jouer... Ah merde, j'ai pas cette PM. Quel dieu, what the fuck? Faux crit, hein, par contre. Ouais, là-dessus, faux crit. Il y a des classes, je suis pas obligé de crit, mais là, les Feka, le problème, c'est que si je crit pas, le tour d'après, ils se mettent un bouclier Feka, et dans ces cas-là, bah... Il y a 1000 dégâts qu'il a pas subi dans la tronche, quoi. Bien. Le combat est en train de se préparer de l'autre côté. Bouclier FK du coup. Ouais, bouclier FK. Normal, normal, normal.
normal. C'est con. Il veut pas crit. Mon perso veut pas crit. 800 HP. Ah, s'il se barricade là, c'est mort, hein, je pense. Alors, il se passe quoi? Il se passe quoi, Camille? Je vois Camille. Jamais McDo supérieur à BK. Compare la taille des burgers, déjà rien à voir. T'as de la chance, Camille, d'avoir un mec qui t'emmène au Burger King quand même. Est-ce que je te tue? Ah, je me suis peut-être surestimé. Tu l'emmènes avec sa voiture après. ZZZ Flunge. Bon, vas-y. Donc, le combat se prépare, normal. Trêve! Ah, il rompiche, rompiche! Merde. ZZZZZ. Bien joué, Fraisse.